Bienvenue à cette cérémonie de remise des diplômes de la médaille d'honneur du travail. Aujourd'hui, vont être récompensés au titre de la médaille d'honneur du travail des femmes et des hommes qui ont contribué pendant de longues années par leur travail au rayonnement de cette entreprise qui fait la fierté de notre pays. C'est donc avec réel plaisir que je prends la parole ici à l'occasion de cette cérémonie solennelle de décoration. Le travail est certes gratifiant, mais la reconnaissance du mérite du travailleur l'est davantage. Et c'est ce qui justifie notre présence en ces lieux où notre aîné, le ministre de Somoussa, était attendu. En effet, au plus fort de la récente crise qu'a connue notre pays, pendant que certains se délocalisaient dans la sous-région, votre entreprise n'a pas cédé à cette psychose malgré tous les risques que cela comportait. Je vous en remercie et je vous en félicite. Merci donc pour votre longue action au service de la nation ivoirienne. Sous votre impulsion et grâce au dynamisme et à la foi de toute une équipe, Toll Ivoire s'impose comme un modèle d'entreprise non seulement citoyenne, mais résolument engagée pour le développement. Les distinctions que vous allez recevoir ce jour sont les fruits de vos qualités fortes comme la compétence, le dynamisme et l'amour du travail bien fait, mais bien plus une invite à toujours bien faire. Dans votre vie de tous les jours et plus encore au travail, vous devez ainsi cultiver certaines valeurs. Le propos de votre parrain ne suffit certainement pas à vous armer efficacement pour redoubler d'ardeur dans votre travail. Mais sachez que votre avenir sera ce que seront vos ambitions. Honorables invités, je me réjouis en tant que parrain de cette cérémonie de l'intérêt à reconnaître le travail bien fait de ses collaborateurs et surtout de le leur témoigner. Aujourd'hui, les entreprises qui gagnent sont celles qui misent sur les ressources humaines. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour exhorter l'ensemble des dirigeants d'entreprises à emboîter le pas à Toll Ivoire, c'est-à-dire à valoriser et reconnaître le mérite des méritants. Je ne saurais achever mon propos sans former, à la faveur de la nouvelle année, des vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite à vous-même et à vos familles respectives. Pour ceux qui vont à la retraite, je leur souhaite une retraite paisible et réussie. Que Dieu veille et bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Que Dieu veille et protège Toll Ivoire. Je vous remercie.